Okay. Remix. Alors bonjour à tous, vous êtes toujours avec Urban Time et pour poursuivre ce week-end de folie, on est cet après-midi à Genève avec les membres du collectif CMB qui organise le Crumb Game 5. Vous allez bien ? Bien, merci. Alors pour commencer, je vous laisse m'expliquer un peu comment vous avez créé le Crumb Game, d'où ça vous est venu l'idée ? Yes. Alors, le Crumb Game à la base, c'est un événement qui s'est fait un peu. Ça a commencé dans la street. Donc, le premier événement, on s'est dit pourquoi pas on organiserait un petit event de danse, de crump. Il n'y en avait pas du tout en Suisse. Et puis, on s'est réunis, une bande d'amis. Et tout bêtement, on s'est inclus dans un petit festival hip-hop qui se tenait à la Jonction. Et avec les années, le collectif s'est renforcé, de nouvelles personnes l'ont intégré. Alors, tu viens de rejoindre le collectif ? Ouais, effectivement. Ça te fait quel effet ? Ça se passe comment d'être parmi tous ces hommes et puis d'être la seule fille ? Ça va quoi, j'ai plutôt l'habitude d'être souvent avec des garçons, donc voilà. Donc le crump, pourquoi ? Déjà moi j'en pratique avec Warriors Fame, et surtout parce que c'est une nouvelle énergie, peut-être une danse qui est moins présentée à l'affiche des événements hip-hop, où le break, le popping, la house dance qu'on adore, souvent on n'a pas été inclus parce que c'est un style qui est quand même assez particulier. Maintenant, avec les 5 éditions de Warriors Crumb Game qui ont eu lieu, on a vu que les gens étaient réceptif au mouvement, et donc c'est une autre façon de voir les événements hip-hop, la danse, c'est beaucoup plus, je vais dire, familial, le public est beaucoup plus inclus dans la danse que peut-être dans un événement hip-hop où effectivement il y a des super danseurs qui défilent, qui montrent des phases de fou. Touche ta dame, démon à dame, morée au fils, Eliram, j'ai flouze. On marche pas sur mes fucking shoes. La victime d'un drame. Génération kilogramme. Représailles, car on espère retourner au sud. Mais c'est le mal qu'a tué. Génération flouze. Problème. On marche pas sur mes fucking shoes. Ou tu seras la victime d'un drame. Génération kilogramme. I'ma be l'interview, vous avez un mot, un message à faire passer, des remerciements? Alors je tiens à remercier tous nos sponsors que depuis un petit moment vraiment ils nous font un super plaisir, que ce soit en l'eau, que ce soit ils nous fournir du matériel et tout ça. Donc il y a CMB nous-mêmes comme on s'est présenté, il y a aussi la ville de Genève, la Warriors Fame évidemment, AZ Dance, Atom Shop, 242, Maniac, Deview, Negusoir, Okoy, Sunglasses, Famous Ape, Getty Get, toujours présent, et qui nous suit depuis le début. Downtown, Urban Time, vous êtes là, vous nous soutenez, merci encore. Le respect, ça change la vie, très important. Mad in Africa, Woods Next et Viz Africa. Big up, Guimamen et El General. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé, et puis j'espère à l'année prochaine. Je vous souhaite que le meilleur, et puis prenez exemple, parce que tous ensemble, on peut faire de grandes choses.